Bonjour, bienvenue à la poterie Major. Je vous ferai une démonstration de comment je fais la poterie. Après, quand je finalise, s'il y a quelques personnes qui veulent essayer, il est possible. Hein? Ouais. C'est un travail facile et agréable. Bien, pour travailler, j'ai besoin d'un fusel de nylon. Utilise une spatule inoxydable. Utilise une agulla. Un bâton. L'argile que c'est de les villages, l'eau et la machine que s'appelle torn. Bien, la première chose que je ferai sera coller l'argile sur le torn et centrer l'argile et à partir d'ici, et l'électricité. Hein? Oui, j'ai vu. Sinon, c'est très fatigué. Hein? Bien, la première chose que j'ai fait, il est mouillé. Coller le morceau d'argile sur le torn et à partir d'ici, sera possible de faire des pièces. Bien, je suis la quatrième génération de la famille qui travaille à l'argile. Le professeur, c'est mon père. Dans le village, il y a 14 usines. Je suis le dernier qui travaille à la main, parce que la reste, c'est tout industriel. Mais le premier modèle que je vous ferai sera un modèle facile et très vite de faire. Sera, par exemple, une assiette normale. Bien, ça, c'est l'assiette. Peut-être, par exemple, un cendrier. Il est possible de faire une petite spirale à la partie intérieure. Voilà. Vous montre comment il a resté, comme ça. Oh. Et pour faire les cendriers, c'est format. Voilà. Autre modèle, par exemple. La prochaine pièce sera un bougeoir. Premier fait, l'anneau de le bougeoir. Ici sera pour peindre le bougeoir. Ça. Et tout de suite, j'ai fait une assiette pareille à la première. La différence est qu'au centre, il reste un peu d'argile. C'est ça. Ici, il va les trous pour mettre la bougie. Donne la forme de la base, la part supérieure, et finalement, l'assiette. C'est facile hein, de faire. Oui, 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 oui. Par exemple, cette pièce, il est possible de faire une petite ondulation. Quel numéro préfère? Le 3, le 4 ou le 13? D'accord, j'utilise les 3 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Ça c'est facile, hein? Je vous ferai une pièce un peu plus difficile. Hein? C'est facile. Mais la prochaine pièce sera par exemple une coupe de cognac sans le cognac. Bien, premier fait la part supérieure de la coupe. J'utilise ce morceau, monte l'argile peu à peu comme ça. A partir d'ici, li dono la forma. La main gauche travaille à l'intérieur, la main droite à la part extérieure. Ça sera la part supérieure de la coupe, il est faite. La spatula l'utilise pour liser la pièce de la part extérieure. Quan finalitza de la demostració, jo vous montre com il est feta tota la pièce de la part interior. I le pie. Per exemple, si hi no ocupa per metre el banyà, per exemple. Voilà. Altre model. Un model difícil, per exemple. La prochaine pièce serà una marmita. Premier fer la nansa que hi va, c'est ça. Jo començo a essayer quan hi ha 8 anys. Il fait 32 anys que j'ai treballé l'argile. Ça serà la nansa. Tout de suite fer la pièce. Pren le morceau d'argile. Per exemple, utilitza aquest morceau d'ici. Premier monta l'argile en forma cilíndrica. I a partir d'ici és possible donar la forma, la base, i utilitza les dues petites per fer la part exterior i superior de la marmita. Com s'ha? Quan he fet la poterie, he metut soleil a sèixer. Normalment, per sèixer una pièce, he besoin d'un, trois, quatre jours. Quan la pièce la sèixa, mon pare met le vernis. Le vernis serà la couleur final. Et après, je mets dans le four. Le four, il monte jusqu'à 1000 degrés. Et pour arriver à cette température, j'ai besoin de 12 heures. 12 pour faire la cocción et 12 pour enfoyer. Bien, cette pièce, c'est possible d'utiliser pour faire la soupe. Hein? Il manque la couvercle. Je peux faire la couvercle tout de suite. Com que je porte la mà bruta, je n'utilise pas de cinta mètrica pour prendre la dimension. La dimensió en sí, un cop d'ell, aproximadament, eh? Bien, la primera cosa que he fet és prendre la dimensió. Per mi he fet la part superior de la cobertura. Avui sí serà per prendre la cobertura. I finalment la resta.
extraordinaire. Je crois qu'il est bon, hein. Trop petit. Wow. Bueno, autre pièce par exemple. Je vous ferai par exemple, le prochain modèle sera un pichet. Comme vous voulez les pichets, la forme traditionnelle comme ça ou une forme différente. Oui, c'est beau ça. C'est beau, c'est. Le sangria. Sangria, voilà, voilà. C'est le modèle, vous voulez que je fasse un modèle? Oui, il y a le sangria dedans, non? Non, de l'air. Le premier fait, l'anse de cette pièce. Et tout de suite les pichets. Je prends les morceaux d'argile, par exemple, ce morceau d'ici. Cet modèle sera d'un quart de litre, par exemple. Et en premier, donner la forme de la base, la lettre ronde de la base, à trois de la moitié et ample de la part supérieure, comme ça. L'est fait. C'est facile, hein? Oui. Il y a ma personne qui veut l'essayer. C'est facile, hein? Je vous demande un billet. La machine, elle va vite? Non, normal, normal. Non. Mais ça, c'est en base de décoration pour mettre les fleurs. Les goyles. Tout de suite, il donne la forme de l'épicher. C'est comme ça. Et finalement, elle met l'anse, la part postérieure. Comme ça. Ah, bravo. 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 Vous voulez que je fasse une tirelire? Oui. Comme vous voulez la tirelire, pleine ou vide? Pleine. Je vous ferai la tirelire, la typique d'ici, le modèle traditionnel d'ici. Petit cochon. Non, ça non. Il est possible de faire un cochon et il porte beaucoup de travail. Je vous ferai la forme classique d'ici de les villages. Bien, pour faire cette pièce, j'utilise ce morceau d'argile. Il a d'être à trois de la base et ample de la part supérieure. Comme ça. À partir d'ici, m'intéresse fermer l'argile de la part supérieure parce que pour donner la forme bien faite, il a de rester l'air fermé à l'intérieur. J'apprête avec les doigts, peu à peu, jusqu'à coller l'argile. Voilà. À partir de ce moment, il est possible de donner la forme sans problème, comme ça, ronde de la part supérieure. Et après, de doucement la base et lui donner la forme. Voilà, il est fait. Cette pièce, c'est la pièce plus difficile qu'il y a à faire. Ah oui. Voilà. Il manque les coups pour mettre l'argent. Si vous ferez le dessin où il va proximement, c'est ici. Cette pièce peut être aussi en cruche pour boire de l'eau. Vous connaissez les cruches? Oui. Je vous ferai un cruche. Premier, fait l'anneau pour peindre les cruches. Là, non, c'est pas la première que j'ai fait, c'est comme ça. Quand que j'ai fait des petites pièces, il est possible de faire beaucoup de pièces. Quand j'ai fait une pièce grande, je travaille doucement. Ça, c'est la petite pièce pour un pli. Ah, ici. Et la pièce pour bois. La pièce plus petite que j'ai fait, il fait 8 cm. Et la plus grande, il fait 1,20 m. De les modèles petits, je pouvais faire pendant une journée 600-700 pièces approximativement. Et le modèle grand, 2 pièces par journée. Ça, c'est les pourboires. Ça. Ouais. Par exemple, un modèle que c'est magique, parce que maintenant je vous explique comme je réalise la pièce, il restera faite. Je vous ferai un pot pour mettre les fleurs. J'utilise cette morceau d'argile, monte l'argile en forme conique, et à partir d'ici, donne la forme. La main gauche à l'intérieur, la main droite à l'extérieur. Monte la main, peu à peu, et quand il arrive à la parcelle, il est fait. Ah, c'est un faux. Ici, c'est possible de faire une petite spirale, comme ça. C'est splendide. C'est magnifique. Ouais. Vous voulez que je fasse une pièce difficile, des grandes? Oui. Oui. Bien. Je vous ferai, par exemple, un pot pour mettre les fleurs. Le temps de faire cette pièce, il est possible de faire 3 ou 4 de les autres. Et si vous voulez, il est possible de choisir la forme du modèle. Alors M16. Com? M16. Non, non sé che mi dite. C'est un raso italien. Il est possible de faire ronde de la base, conique, cylindrique,
Comme vous voulez la forme. Rond de la base, d'accord, c'est difficile. Carré, d'accord. Et de la part supérieure, comme vous voulez, ouverte ou fermée? Ouvert, c'est facile. Fermé, d'accord. Bien. J'ai pris les morceaux d'argile que j'utilise. Par exemple, sera cette morceau d'ici. La première chose que j'ai fait, c'est monter l'argile doucement. Pour monter l'argile, fait un ciseau et monte la main peu à peu. Et de cette forme, monte l'argile et le mur il restera bien fait. Comme ça. Il n'y a pas personne qui veut l'essayer? Non. On va pas prendre de risques. On serait propre. Aujourd'hui, l'argile, c'est à bonne température. Hein? Parce qu'il y a jour que c'est très froid. À l'intérieur. Vale. Ça, c'est le morceau qu'utilise. Il a d'être ronde de la base et trois de la part supérieure. D'accord. Commence doucement pour la base. Donnez la forme ronde. Trois de la part supérieure. Ah, ça peut. Ne roule pas recte de la part supérieure, c'est facile de manger comme ça. Hein? Voilà. Passez la spatule autrefois pour liser la pièce. Vous voulez que j'ai fait une spirale ici? On veut tout, nous. Le client, c'est qui demande la pièce comme il a d'être. Hein? J'ai fait ce que le client demande. Ici, il y a une chose irrégulière, c'est un morceau d'argile que c'est sèche, c'est dur, c'est mélangé, c'est impossible d'arranger bien. Hein? C'est pour ça qu'ici, il y aura les spirales qui se dissimulent là et qui passe ici. C'est splendide. Hein? Voilà. Cette façon de travailler. Oh, il est fait. Voilà. Vous avez demandé carré. D'accord. C'est la carré. Ah, ah, faites-le pas parce que c'est pas vrai ça. Parce que il a une belle peau. Ah, non, ça gratte. Ça. 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 Finalement, à part le tournet, l'outillage, il est simple, hein, l'outillage. Hein. Oh, il n'y a pas de trait. Ça se travaille bien. Carré, ça. Oh, oh, ouais. Ah, ici, cool. Par exemple, comme que de la base c'est carré, ici c'est possible de faire. C'est différent, comme ça. Vous voulez regarder comme il est fait de la partie intérieure? Oui. Les spirales qu'il y a à l'intérieur, c'est les doigts. C'est pour ça que je monte, je prends la spatule pour liser la part extérieure. Parce que sinon, les spirales restent à l'extérieur. Hein? Pour savoir l'épaisseur de l'émour, j'ai fait les ciseaux avec les doigts. C'est interdit d'utiliser des gants. Parce que s'il y a les gants, c'est impossible de savoir l'épaisseur de l'émour. Ici, j'ai fait une chose qui est interdite. Mettre deux pièces racines faites l'une sur l'autre, parce que ça colle. Ça va couler. Quand j'ai fait la couvercle, c'est à part. Hein? Oh, et c'est tout égal. Les pichets. Cette argile, demain pour le matin, je la passe pour la machine qui mélange et compacte l'argile et l'utilise autrefois. Oui, bien sûr, mais enfin, c'est du travail perdu. Quoi. La coupe de cognac, par exemple. Ça va le voilà. Tens que donar un d'aquells de Miami i un de petit. Ves a la botiga i dona'ls de la botiga. Cuit, sí, home, clar, perquè no soy tranquil. El lundi, vendredi. El samedi i dimarts, un magasin. Ah, perquè així treballa amb compte.